Salut à tous. Donc je me suis équipé pour la tour des fanatiques avant la vidéo parce que c'est assez lourd à voir et comme c'est long ça prend la moitié de la vidéo si je le fais. Donc en clair je leur ai foutu tous les trucs normaux. Donc faut savoir qu'ils peuvent pas attaquer hein, dans la tour des fanatiques. Donc faut privilégier les trucs en fait qui augmentent l'esprit et enfin, la défense magique et la parade quoi. Donc ouais, d'ailleurs je l'ai pas fait. Là, elle aura 39 de parade. Voilà. Bon, elle a déjà Illumina, il n'y a pas mieux. Lui, c'est un des meilleurs trucs aussi. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Voilà, les espères. J'ai mis les espères qui apprennent rap et osmose. Vous aurez pourquoi. Donc là je mange un sandwich, hein, excusez-moi. Et puis ça fait beaucoup de vidéos que j'ai pas mangé, je peux arrêter parce que je vais devenir maigre si ça continue. Donc voilà, tour des fanatiques. Ah oui, j'ai pas dit pour les reliques. J'ai mis des épingles dorées pour que les sorts soient moins chers, puisqu'on peut utiliser que ça. Et Anomur sur chaque personne, hein, pour refléter les sorts des ennemis. Ça même pas besoin de dépenser nos pouvoirs ça. Donc c'est hyper linéaire hein, comme tour. Vous voyez, plus arc que magie. Putain, je vais attendre. Ah bah il nous soigne. Ça c'est sympa. Ah bah il se barre en plus. Ah bah on a qu'à les bombarder. Et puis après on attend que l'autre nous rende les PM. Ouais. Là t'as trop. Aucune idée de quoi ils craignent. Bon bah pas besoin de les battre. Voilà. Donc on a rap. Donc rap ça bouffe les PM. Oui. Donc en fait c'est conseillé de faire comme moi. C'est-à-dire de mettre un anomur à tout le monde. Ah les bâtards. Eux aussi ils ont reflet. On barre. C'est pas un problème. Il suffit de le faire sur nous et ça leur renvoie. Ah, vous avez compris pourquoi il faut prendre des anneaux de mur quoi. Comme ça on les tue nous-mêmes. Là je me lance un soin sur moi, ça le repasse, et ça scanne l'ennemi. Oula, ça se peut faire très mal par contre. Enfin, ça peut tuer un coup ou faut rien faire. Feu de... Non. Faut pas que je me trompe, voilà. Donc on peut aussi prendre Mog, hein, comme d'habitude, pour pas avoir les ennemis. C'est ce que je fais d'habitude d'ailleurs. Oula, le pauvre. Il a pas eu de chance. Ah mais ils sont pas cons, hein. Ils s'envoient sur nous pour se tuer eux-mêmes. Alors ouais. Apparemment ils craignent le feu. Hein. Feu 2. Ah. Donc à part Zonix qu'on craint tout le reste. Ah bon, on craint Ultima, etc. aussi. Voilà, donc rap et osmose, ils l'ont tous les deux. Magie. Zone C. Rap osmose, c'est là.
Maintenant, il faut le donner à quelqu'un qui l'a pas. On va peut-être l'enlever d'abord. Faut que je mette un autre truc. Alors. Hop. En plus, ça prend très vite, hein, rappel à ce mois. Lui, il a toujours pas appris. Putain, il est où, ce truc? Ah, mais il est mort, je crois. Donc oui, je vous préviens, il n'y a même pas de point de sauvegarde, je crois, en gros. J'en suis pas sûr, mais de toute façon, je pense que je vais arrêter la vidéo avant. Puisque il est assez long, le combat. Enfin, tout dépend de la manière dont on le fait, mais il est long, quand même. Voilà. Talent. Donc je privilégie les sorts de femmes, parce que c'est des femmes, non, je sais pas. Parce que, ouais, elles ont des trucs pour diminuer par deux, quoi. Donc voilà, c'est ça pendant toute la tour, mais c'est pas très très long. Mais c'est vraiment chier qu'on puisse faire que des sorts, quoi. 27, c'est trop cher. Et voilà, tous morts. C'est pas génial, ça. Voilà, c'est ceci, il l'a pris. Faut qu'il l'apprenne tous. Hein. Donc, talent. Zoom si je lui enlève. Je vais mettre autre chose. Est-ce qu'elle aura pas Phoenix, c'est où? Strago, ok. Attends. Zoom Seek. Voilà. Donc lui, on va lui mettre ça. Et lui, Strago. Phoenix. Voilà. Donc en fait, le boss, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais si vous vous rappelez pas, c'est un boss qui lance plein de magie. Donc il craint que la magie, mais de toute façon, on peut faire que ça. Et en fait, ouais. Non, c'est vrai. J'oublie à chaque fois qu'ils sont... Ouais, dès qu'il crève le boss, il lance Ultima. Ça peut pas se refléter, donc ça vit tous les persos. Donc il faut se mettre vite, ouais, en fait. Mais il y a aussi un autre moyen. C'est de lui lancer rap tout le temps, parce que vous voyez, ça bouffe les MP. Et en fait, le boss... Écoutez bien ce que je dis, hein, parce que c'est important quand même. Ouais, le boss, quand il a plus de MP, il crève. C'est comme s'il avait plus de vie. Et après, il lance Ultima, comme d'habitude, quoi. Mais ça nous fait rien. Puisqu'il a plus de MP, en fait. Donc, il peut plus le lancer. Donc, soit on lui bouffe tous ses MP, il peut pas lancer Ultima, soit on se met vie 3, et on crève avec Ultima en réussite. Donc, il y a plusieurs possibilités. D'ailleurs, ils crèvent tous avec ça, d'ailleurs, je crois. Donc lui, c'est le seul que pas rare, je crois. Je crois que tous ceux qui, quand ils ont plus de MP, ils crèvent. Hein. Vous voyez, c'est vraiment pas cher. 6 MP, bon, là, c'est divisé par 2, mais à la base, c'est 12, c'est pas cher non plus. Merde. Salopard. J'ai oublié. Putain, 140 MP, il m'a bouclé. Espèce de bâtard. Ah, ça se reflète pas à demi. Ah bah, ça je fais pas. Moi, il fait pas chier. Donc, ouais, c'est assez stratégique là dans ce tour, les combats. Bon, bien sûr, il reflète pas les trucs. Ah, vous voyez, il est pas con. Hein. Il s'envoie les améliorations sur nous pour les refléter. Donc, ça, c'est un mort vivant. Je pense qu'il craint les soins. Donc voilà pourquoi j'avais acheté beaucoup d'âmes de mur en fait. Merde, ça le soigne. Je croyais qu'il craignait le. Bon, on l'a achevé. Donc ouais, faut faire un truc que j'ai oublié de faire. J'ai été très con d'ailleurs. C'est d'acheter beaucoup de trucs pour régénérer les MP.
complètement oublié. Et je pense que ça devrait aller quand même. Voilà. Il faut avoir un rap quand même. Putain, mais Loki il a toujours pas pris. Ça m'étonne là. À tous les coups il l'a pris depuis tout à l'heure, je me suis pas rendu compte. Bah non. Ah bah parce que. Ah ouais, selon les experts c'est pas pareil. Là c'est x4. Et là c'est x20 et x15. Ah ouais, d'accord. Ah bah je savais pas ça. Ouais. Ça génère un peu la vie. Ouais, faut que je fasse gaffe à mes MP parce que quand j'en ai plus, je suis mort là. Donc, qu'est-ce que j'ai comme truc à MP? 50 PM. Donc, ouais, acheter un max d'alcool et d'éther quoi. Éther, ça rend combien? 150. Au pire, on pourra lui bouffer ses MP en utilisant rap, en osmose. Parce que rap ça les bouffe et osmose ça les bouffe aussi, mais c'est pas pareil. D'ailleurs je me demande ce que ça fait. Donc, lui il peut pas, c'est vrai. Donc ouais, quand ils ont plus d'AMP ils crèvent. Hein. Je vais tenter rap. En fait je sais pas si ça se reflètera. Je crois que ouais. Il est pas Osmo? Ah non. Donc Osmo ça bouffe l'AMP carrément. Il l'a pas. Donc, vous voyez, ça c'est sympa hein, comme truc. Voilà, donc il peut pas. Faut que je me fasse des osmoses sur moi-même pour m'en bouffer. Voilà, un mur indispensable pour moi. Enfin, après, chacun sa technique. Hein. Alors, est-ce que ça se reflète? Ok, ça se reflète pas, ça. Donc, lui, il peut pas. Lui, il l'a pas encore. Non, non, ça se reflète pas, cette connerie. Ça, il me faut des osmoses pour moi. Quand ça se reflète pas, c'est parfait. Et si vous comprenez peut-être pas ce que je fais, bon, vous comprendrez assez tôt. Voilà, Osmo ça fait ça, il bouffe l'MP de l'autre en plus. Sauf que là, ça a été fait à l'envers, parce que c'est un mort vivant. Tandis que je raconte pas de conneries. Est-ce que ça va me les bouffer? Ouais, c'est bien ça. Donc là, je récupère mes MP du coup. Bon, on va arrêter de faire les cons et on va leur brûler la gueule de sort de feu. Parce que celle-là, je trouve que c'est bien. De toute façon, au pire, si j'ai pas le temps, bah, je me retrouve. Je vous mettrai directement devant le boss à la prochaine vidéo. Donc, vous voyez, quand ils ont plus d'MP, ils crèvent comme s'ils avaient plus de HP. Hein, je voulais... Merde. Ça se fait chier par contre. Ça a loupé ça. Ah bah décidément ils sont chiants à battre. Ah c'est bon. Et les enfants après. Voilà bah ils ont tous osmose maintenant. Donc du coup ils vont pouvoir récupérer leur AMP sans avoir... Et tuer les ennemis en plus. Ça se reflète pas, c'est parfait. Osmose. Je vais faire que ça maintenant. Osmose. En plus, il se blesse tout seul comme des cons. Voilà. Je perds ça tout le temps. Bon, je sais que c'est lent, je sais que c'est chiant. Je m'en excuse. En fait, le sort, quel que soit son coup, on s'en fout parce qu'on se régénère les nôtres. On a tout le temps les MP à fond et on les tue.
voyez, assez long hein, comme technique, mais ça marche bien. Ça, j'avais pas prévu. Donc là, faut s'envoyer lutin sur nous-mêmes, mais ça se reflète pas, lutin. Non. Bon, est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui peut le faire à ma place? Ouais, ça c'est la seule bête noire quoi, c'est qu'on peut... Ouais voilà, ça se fait chier quoi. Super balle. Ah en plus ça blesse tout le monde, super balle. Parfait. Mon rap ça enlève plus Cosmos par contre. Voilà. Donc là je vous rappelle c'est des MP hein, c'est bon, c'est pas des PV. Oh merde. Voilà, ça se fait assez mal. Et voilà. Donc ouais j'ai utilisé une tactique aussi contre le boss une fois. C'est lancer que des super balles tout le temps et ça l'avait tué. Vu que les objets ça marche. C'est le seul truc qu'on peut faire avec les... Avec les... Les... Ouais, les sorts, ouais. Lutin. Je cherche quelqu'un qui a lutin, je crois bien que... Ouais, voilà. C'est bon. Donc ok, bah il a pris ça. Donc on va lui mettre... Phoenix l'a déjà pris. Ah, lui il a tout appris quasiment aussi. On va lui mettre le truc Terato, voilà. Ça augmente la vie. Donc désolé, bon vous savez quoi, on va se quitter ici puis on se retrouve en haut de la tour. Parce que c'est tout le temps pareil, hein, la tour, y'a rien de spécial. S'il y a un truc de spécial, je vous le mettrai. Donc à la prochaine vidéo, et vous allez voir, c'est un buzz vraiment très intéressant. Allez, salut.